wants to destroy us all. Super trailer et tout. C'est quoi ça? Au-delà de ça, là pour le coup c'est listé quoi. T'as toutes les nouvelles fonctionnalités, tous les grands changements qui arrivent, et t'as dans le Vidoc qui vont faire, t'as des le studio qui com à chaque fois quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et j'en ai à foutre. Quoi, t'as un grand toilette, c'est ça? Quoi, c'est l'histoire d'un gant de toilette qui tombe dans la flotte. Ah, c'est incroyable. To work with independent developers to help them realize their dreams. Ils sont nuls en showcase, les mecs d'Electronic Arts, c'est insane. Moi, ils m'énervent depuis tout à l'heure. Ils sont bidons. Une boîte pareille qui s'est pas castée. Ah, franchement, c'est nul. Non, franchement, il y a une prestance à avoir. Le mec de tout à l'heure disait qu'il était tout rouge avec son pull t-shirt rose. L'enculé traducteur de Electronic Arts français. Entendez ça tout à l'heure. Et il avait coupé le son après. Alors, tu vois, il faisait ça des E pendant sa traduction, l'enfoiré. Thank you, Patrick. Sea of Soul. Qu'est-ce que c'est ça? I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was and that afterwards voilà, like, moi, our whole froc, team une ceinture, including me were super excited. It actually feels a little bit the same right now. Tu mets, tu attaches ton froc avec un soutif, I'm pretty excited, maybe a little too excited. Elle est pas bien elle, hein. Non mais en fait voilà. Enfin, je dirais, c'est dommage, c'est pas grave, on l'en veut pas, mais je t'explique. Dans les studios de prod, quand tu pars à l'E3, c'est le salon de ta putain d'année. C'est comme un agriculteur qui va au salon de l'agriculture, tu vois, c'est un ring de boxe, quoi. Il faut vendre ta cam, t'es en représentation. Et donc, les gens que tu vas là-bas pour représenter ta marque, c'est des gens qui sont formés à l'exercice de presse. On voit pas des pecnos qui vont bafouiller, qui vont devenir tout rouge. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est incroyable, ça. Moi, ça me rend fou de voir ça, là. C'est un vrai exercice hein, dans ce monde-là, c'est un vrai exercice. About our game. When humans get too lonely, they turn into monsters. This is at the core of everything. Qu'est-ce qu'ils nous montrent, Electronic Arts? En fait, ils disent on va commencer bien merdique, histoire de relever, mais vraiment, mais mettez tout, les gars, tout. De FIFA à FIFA 91, mettez-le. Et après, comme ça, on t'aime. Voilà, mais ça sent pas bon, ça. Game Engine Demonstration. Ah, où ça lag? Non, ça lag pas, chute. Ah, c'est Anthem, ça. Bah ouais. Tu te calmes. Ça, c'est du ruine ou je sais pas. Quand tu l'as vu 3 biches, ça y est, il en peut plus, là. Oh my god, that's awesome. Oh, c'est le Roi Lion. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai pas un trailer, allô messieurs. Je le sens en gros. Calmez-vous les enfants. Calmez-vous. Oh, pour l'instant. Voilà. Ah, peut-être pas. Voilà, moi je vois un dinosaure oui, ou une mer comme allô. Ça. C'est des marines. C'est allô. Non, c'est un rhinocéros, ce que tu racontes, quel allô? Soit on avance sur vous, soit on retarde sur vous. Allô. Je suis en avance, je ferme ma gueule. Ça y est, le Master Chief. Ah, ils ont osé les enculer.
Oh, voilà, là. Là, ils enculent tout le salon, hein. Clairement, je vous le dis direct. Rien que ça, là. Dès le départ, oh, la dinguerie. Ils vont faire un battle royale. C'est-à-dire, quand tu as Electronic Arts hier, qui commence crescendo, mais crescendo d'enfoiré. Hein. C'est-à-dire, ils commencent par la rouille, et ils finissent par en thème. Putain, ouais, de ouf. En fait, c'est pour te dire que ça finira jamais. C'est clair. De ouf. J'ai pas vu du coup parce que j'ai pas eu le temps de lancer la vidéo. Vous êtes sûr que c'est pas un nouveau skin Destiny 2 non? Ah, sur le Titan. Ah. Okay. Un peu de calme, merde. Un peu de calme. Avec Phil Spencer. Teaser dès le départ, ils ont reculé toute la conférence. C'est ça. Salut Philou. Salut. Regarde ce que je disais hier. Ira. T'as vu le mec quand il rentre sur scène? On sent qu'il est pas là pour enculer des champignons, on est d'accord? Enculer des troncs d'arbres. Regarde, il a le sourire, il se marre, il rougit pas. Regarde derrière les fanboys. Bon, vous êtes géniaux, les mecs. T'as vu le feu? Mais bien sûr. Il va dire voilà, je vais foutre le feu ce soir. Je suis d'accord avec toi. Je vais les rapprocher de ma télé. Oh, un Battle Royale Halo, ça peut être tellement lourd. Ah, putain, il est beau l'enculé, hein. Ouais. J'ai jamais fait ça là-haut. Un... Oui, mais là c'est la version PC. Ah, t'es sur le temps d'Xbox, t'es gars, ils ont pas le droit. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais ton son d'Xbox, tu peux, c'est Microsoft. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois, regardez les gars comment ça diffère. Les mecs, ils annoncent une précommande à partir du 15 juin. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas là à faire les raccros. Tu... Hey, commandez! Y a pas un mec avec un terminal CB qui passe dans les rangs, tu vois ce que je veux dire? Putain de voir ça. Tu précommandes, tu dégages. C'était ça hier avec Chronicard, je te promets. J'ai oublié, mais j'en ai rien à foutre. Vous avez pas vu, t'as des mecs, ils avaient fait un vieux mème comme quoi pour assister à la conférence d'IA, il fallait payer. Et genre, si tu voulais voir la seconde moitié, il fallait que tu payes un DLC en plus. Ouais, c'est ça. Franchement, au niveau de l'area, ils envoient du pâté. Eh, je suis pas en train de leur sucer la bite, mais putain, bordel de merde. C'est que le début, hein. Je te comprends. Mais non, mais rien que. Tu vois, au niveau stratégie, les mecs ils disent tiens, on va envoyer à l'eau dès le début. Mais t'as fait, garde-le pour la fin. Tu vois, y'a un mec qui a dû dire mais non, attends, à la fin y'a mieux. Calme-toi. Allo, c'est l'Anka. Après, il y a le steak haché, et après, il y a l'île flottante. Ah, c'est terrible, il y a Thierry Crew dans le second steak haché. Petit à petit, hein, frère. Allez, on va avoir un dernier truc pour le stand. Et le pire, c'est que ça, c'est que ça, qui est une copine, c'est quoi. Un requin, carrément. Tu passes du couteau que tu mets à un clodo dans le métro à un requin, quoi. Comment ça se passe? Juste après, un gargouille. Je suis pas gâté en février, hein. Attends, c'est le retour de Philou. Oh le bâtard, en plein milieu de la foule, on dirait Johnny Hallyday. Il y a un mec sur la droite, il fait une petite vidéo. Surprise, motherfucker. Non pas qu'il pète un pont, mais une grosse claque dans le GSM à gauche, là. Filme pas, toi, là. Ferme ta gueule, donc. Merde, t'as dit GSM. Ah ouais? Ah, chaud. C'est vrai qu'il a dit ça. T'as dit GSM, ce qu'il a fait. Merde. Qu'est-ce qu'il vit de le penser? Encore. À 3h du matin, je crois. Oh, bah, okay. Par contre, le jeu, il est franchement, il est magnifique, hein. Mais regarde, les gars, ils te changent de saison, ils te mettent en automne et ils balancent des feuilles mortes dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est à Hollywood, les gars, là. Oh, il se passe quelque chose. Communication over 9000, quoi. Oh putain. En plus, je suis au même moment que toi. Ah, mais c'est rapide. Oh, l'autre, il allume le sapin, il est content. Tu fais bien le bruit du Tucky Wucky. Oh, t'as des animaux? On se rappelle très bien du downgrade entre le premier trailer et la première mission qu'on a fait. Bah, ouais, c'est pour ça que je vous explique qu'en fait, c'est que des versions PC, c'est pas des downgrades. Oh, arrête de nous emmerder, toi. Mais sur le stand Xbox, là. Les gars. J'ai pris sur PC et Division 1 est quand même violent. Division 1, il avait été présenté par Ubisoft, pas par une console, donc là, ok. Mais là, c'est le stand Xbox qui présente ça. Le mec, il peut pas se permettre d'envoyer la sauce PC, quoi. Ça va se voir tout de suite, ils perdent du crédit direct. Non, pas tout, c'est pas vrai. Un constructeur console, il monte un jeu sur sa console. M'emmerde pas. Ok,
mais Microsoft, ils font aussi des PC. Non mais là c'était sur le stand Xbox, ma couille. Wow. Les couilles, frère, on s'en bat les couilles, frère. Ils vont pas se tirer de balle dans le pied, quoi. Non mais les moments in-game comme ça en footage et en work in progress, c'est ils ont dans l'obligation que ça soit le moteur de la console. Sinon laisse tomber, quoi. Bah sinon c'est de la pub mensongère, quoi. Bah ouais, grave. Ouais, bah si tu... ouais, le gameplay c'est du Division, quoi. Sign up for beta. Bah, en même temps, c'est le dos, hein. Sign up for beta today. Beta today. Ouh là, c'est bon ça. Ça, je vais la faire direct. De toute façon, tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de se passer, c'est enregistré, hein. Ok, les mecs. Donc, s'il y a un downgrade, je change de gamer tag, on se verra plus jamais. Et s'il n'y a pas downgrade, j'irai vous voir dans votre Discord de mes couilles sur votre PC à la con, là. Et on en reparlera. Écoute, tu viens à la maison, je te le montre ce que j'aime sur un vrai PC. Sur un vrai PC, espèce de tarlou, tu te rends pas compte de la bécane de guerre que j'ai là. Eh, j'ai un ventilo dessus, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh, les mecs ont la fibre s'il y en a là, et vous pouvez le voir en 4K hein, sur Mixer. Hein. J'ai pas la fibre moi. Ah. Moi je l'ai. Bah regarde sur Mixer en 4K, tête de con. Hein. Je suis pas sur Mixer. Mais va sur Mixer et pète-le en 4K. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles? Non, parce que Mixer t'as du retard. Là, mais top, et justement tu seras calé avec toi, tu me casseras moi putain les couilles. Bordel de merde, pas sur Mixer. Il va le rendre complètement fou. Quoi, sur Mixer c'est en 4K genre? Oui, bah c'est propriété Microsoft. Et eux ils font pas comme Twitch, ils diffusent en toutes les résolutions. Ça va du 4K au 160p mon pote. T'as tout, t'as le 1080, le 720, le 500 mes couilles. C'est Twitch, hein, c'est des radins. Ah, et c'est fait pour toi, c'est de la con. Every month. En plus, si t'as vu, en plus, ce qui est bien, même si on s'en bat les couilles, il y a que pour les vieux, pour moi que c'est important, tous les studios indés rentrent dans le Game Pass. Et ça, c'est cool, ça, pour ceux qui se rappellent du Xbox Live Arcade. Ouais. Fallout 4. Non, c'est Today. Pas Vivian, ouais, c'est The Elder Scrolls. Ouais, c'est The Elder Scrolls. Fallout 4 dispo aujourd'hui, putain, c'est bon, ça. Et ils sont en train de tout enculer. C'est pas tout ton canon, c'est tout enculé. Incroyable, c'est des Égyptiens les mecs. Nouveau pharaon. Ah, ça a l'air cool ça, Kingdom Crown. Ça a l'air sympa. Bien sûr qu'il devait sortir, il est attendu. Depuis 20 ans. Ah, il a mal au front lui. Franchement, qu'elle a fait un petit quelque chose. C'est quoi ça? C'est un jeu pour Alan ça. C'est trop beau ce jeu là, je sais pas ce que c'est mais... Donc là c'est pas du footage là. C'est... Oula. Il y a des mecs qui ont cassé les couilles pendant une conférence 3, t'as vu? Ils parlaient trop. Ça va être à l'eau parce que tu commences par l'eau, tu finis par l'eau, tu sais. C'est où la conférence? C'est vrai que s'ils veulent enculer tout le monde, ils présentent Cyberpunk. C'est vrai que s'ils le font... Oh ouais, là. Ouais. C'est ça. Non mais là déjà les gars... Là ils sont en train de taper les gens au sol là, vous vous rendez compte de tout ce qu'ils ont vu en Vienne là. Si, ils ont pas le droit. Ils sortent Cyberpunk mec, ils enterrent tout le 3 mais instant. En fait c'était quoi ce jeu? Oh mec, c'est le nouveau jeu fait par ceux qui font The Witcher. C'est des projets tout ça. C'est ça, c'est des projets. Oh, ils ont enterré le game. Rally. Oh là. Ah ouais, il est en train de faire son blabla. Hein. Oh, Twitter mec, ça va être fou. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner. And it keeps you going. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer.